Bon, bien le bonjour tout le monde. Dimanche 18 avril, un truc comme ça. Et pas grand monde dans les rues. Hein. Bon, c'est après le déjeuner. On a mangé un petit peu tôt. Photo. On a mangé un petit peu tôt parce qu'il y avait tartiflette. Et puis là, j'ai comme qui dirait un petit besoin d'évacuer le surplus de gras ingurgité pendant le repas. Voilà. Donc petite marche dans la ville. On va pas dire où on est. En général, les gens le savent, ceux qui me suivent. Il y a quelqu'un derrière moi? Non, personne ne me suit. Oh, c'est la blague du dimanche. Donc voilà, allez, promenade, on va voir s'il y a un petit peu de monde à droite à gauche, mais bon, normalement non, puisqu'on n'a pas le droit de sortir, et puis on va essayer de faire quelques petites photos de notre ville endormie. Tout le monde est confiné, et puis là on arrive sur un thème que j'aime bien, c'est les grilles. J'aime bien faire des photos avec en incorporant des grilles derrière. Alors, point de focus, hop. On va se mettre comme ça, on va mettre un petit peu de nos copines, les grues. Et puis voilà, interdit chantier public. Bon, allez, à suivre tout à l'heure. Bien, toujours aussi vide la ville. On fait quelques petites images quand même. Hop. Des endroits qu'on découvre comme jamais je les ai vus auparavant. Ça va faire donc 7 ans, les jumeaux ont 8 ans dans 2 mois. Donc ça va faire presque 10 ans qu'on a ici les moules. Et je n'ai jamais vu la ville comme ça. C'est un côté assez apocalyptique, mais voilà, c'est intéressant. On se promène, 1 km autour de la maison, pas trop le choix. Et puis, ça rajoute un petit peu de complexité au challenge confinement, c'est de trouver des sujets à prendre qu'on n'a pas déjà pris en photo une dizaine de fois. Et bon, voilà. La place où je vais chez mon médecin d'habitude, vide. Allez, on repart pour un petit tour direction la maison, parce qu'il ne faut pas sortir plus d'une heure. Et puis là, le soleil cogne un petit peu et... ça serait quand même ballot de rentrer au bureau prochainement tout bronzé. Allez, à plus tard.